avoir des profils différents, avoir des parcours de vie différents, avoir, voilà, c'est la richesse d'une entreprise. Surtout aujourd'hui parce qu'on a une réelle pénurie de conducteurs. On va chercher des personnes éloignées de l'emploi, on va chercher des personnes en reconversion. C'est aussi une profession, l'aide à domicile, qui a des difficultés pour recruter. Donc nous avons souhaité élargir nos recrutements à des profils masculins. Dans les écoles, on a des collaboratrices qui interviennent d'ailleurs pour féminiser ce métier. Le point de départ pour recruter des profils différents, c'est notamment que l'aide à domicile est une profession à 98% féminine. On a eu une vraie problématique de recrutement il y a 2 ans. On avait vraiment un manque de conducteurs. On a décidé à un moment donné, en tout cas, de recruter une personne en interne qui sera chargée du recrutement. Donc c'était une chargée de sourcing et qui nous a aidés à voir différemment les choses, à nous accompagner, savoir comment on lisait un CV, savoir comment recruter. Ça fait partie de notre culture d'entreprise en fait, d'avoir des parcours différents. Notre culture d'entreprise repose sur la libération des potentiels, sur des valeurs fortes, respect, solidarité, intégrité. Et on a toujours eu à cœur en fait, de recruter des personnes sur leur savoir-être. Ça a toujours été la priorité. Une personne qui a nos valeurs, respect, solidarité, intégrité, ça c'est la priorité dans nos recrutements. On a retravaillé en tout cas les prérequis et on s'est surtout, on a été attentif au savoir-être des personnes plutôt qu'au savoir-faire, parce qu'en plus il fallait déjà les former. On a des tuteurs dans nos entreprises qui sont aussi en proximité, des maîtres d'apprentissage qui sont là pendant toute la durée de l'apprentissage pour découvrir, faire découvrir l'entreprise aux apprentis dès qu'ils arrivent. On a des partenariats, on a des actions de communication qu'on n'avait pas auparavant et on a d'ailleurs un centre de formation aussi dédié à l'apprentissage qui a été mis en place et qui va perdurer et qui va être relancé dans les prochains mois. Aujourd'hui, on travaille principalement avec Maison de l'Emploi, Pôle Emploi et Cap Emploi. On s'appuie beaucoup sur le réseau local, on travaille avec la Maison de l'Emploi, on travaille avec différents dispositifs d'accompagnement. On fait de plus en plus de POEI, alors ce sont des dispositifs très particuliers au niveau de Pôle emploi, qui accompagnent des personnes justement demandeurs d'emploi en reconversion. On intègre dans des stages découverts déjà dans un premier temps. Pour s'assurer de certaines compétences, on intègre aussi les équipes, donc certains collaborateurs dans nos recrutements pour échanger et vraiment décrire un métier et répondre à certaines questions et valider certains points. Donc ça demande, je dirais, un investissement de tous. Donc c'est là où il y a une vraie sensibilisation au niveau de l'équipe, au niveau de l'entreprise. On l'a fait au niveau du handicap, quand on a intégré une personne justement avec des troubles autistiques. L'idée pour nous, c'est d'avoir les compétences et d'avoir un savoir-être, mais fortement avec des différences. Et donc là, on a fait une sensibilisation au niveau de toute l'entreprise. La manière dont on a procédé à ADT dans ce recrutement, c'est notamment que le principe d'égalité homme-femme était intégré vraiment comme une valeur fondatrice de notre association. Et donc, on a voulu promouvoir le recrutement des hommes à domicile. On a véhiculé une image positive et on a aussi appuyer sur le fait que la relation des personnes n'était pas en lien avec le genre, mais bien en lien en faisant le lien d'une personne à une autre. C'est un changement de mentalité, c'est qu'il faut accompagner les équipes sur ce changement de recrutement, sur les changements de profil. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment beaucoup être à l'écoute, expliquer pourquoi on le fait, expliquer l'accompagnement différent, parce que c'est aussi, ça demande du temps en interne. Nous avons plutôt rencontré des personnes aidées à domicile qui, elles, avaient des freins à l'intervention d'hommes au sein de leur intimité. Certaines personnes aidées avaient des préjugés, pensant effectivement que les hommes ne savaient pas faire le ménage ou ne savaient pas repasser. Et donc, on a vraiment véhiculé une image positive, mais nos salariés sont traités tous à la même enseigne, que ce soit une femme ou un homme. On met vraiment en avant les compétences qu'ils ont, le savoir-être, avant de mettre en évidence leur genre. Les résultats, ils sont dans la formation. Donc aujourd'hui, trouver un conducteur qui a déjà son permis de transport en commun, c'est difficile. On a aussi ouvert d'autres opportunités. On a fait des recrutements par téléphone, par le biais des réseaux sociaux. On a eu d'autres process qui nous ont permis d'aller chercher un peu plus loin les personnes. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur de l'accompagnement de nos équipes et on est régulièrement avec eux
On met beaucoup de choses en place pour pouvoir justement leur donner envie de rester. Les résultats de la démarche sont qu'aujourd'hui, on a recruté plus d'hommes. On a aujourd'hui 21 hommes quand on en avait 3 il y a 15 ans. Les équipes de femmes, initialement, sont maintenant habituées à travailler avec leurs collègues hommes, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et puis, on a aussi des personnes aidées à domicile qui ne refusent plus ou qui ne ferment plus la porte ou qui même aujourd'hui ne sont même plus surpris d'avoir des hommes qui interviennent à leur domicile. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Les conseils qu'on pourrait donner à d'autres, ce serait d'étudier tous les profils et toutes les candidatures qui s'intéressent aujourd'hui à travailler dans notre milieu. Le recrutement, c'est un métier à part entière. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et en effet, avoir quelqu'un dans sa structure de dédié qui peut vraiment cerner les choses, mettre des process en place, c'est plus simple aujourd'hui pour nous. Et aujourd'hui, je pense qu'on en a tous besoin. Ceux qui savent nous remettre en question sur certains préjugés qu'on peut avoir au moment du recrutement et de recentrer grâce à cette personne, c'est important. Il faudrait qu'on aille un peu plus loin encore, c'est par exemple sur le handicap. Je pense que l'informatique peut-être est un secteur qui peut paraître inaccessible à certains. Et c'est de participer beaucoup plus à des événements, être plus dans l'accompagnement. Là, par exemple, il y a la semaine de l'emploi qui arrive, donc c'est être plus présent peut-être aussi et prendre ce temps. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire justement pour ouvrir nos portes et c'est là où il faut qu'on aille un peu plus sur le terrain. Au début, je ne savais pas du tout, enfin j'avais des préjugés du coup comme tout le monde par rapport à l'aide à domicile, mais je ne savais pas à quoi m'attendre et au final, je suis assez satisfait. Qu'on soit un homme ou une femme du coup, les compétences qu'on a apprises, que ce soit au boulot ou dans notre côté perso, on peut les apporter dans notre métier d'aide à domicile. On peut composer avec notre savoir-être et savoir-faire. La reconversion, c'est un premier pas, mais il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai eu du travail qui a été à la fois personnel et aussi Sid m'a aidé en me proposant des formations, différentes formations. C'est apprendre une nouvelle manière de penser et puis bien évidemment travailler, passer des certifications pour pouvoir attester des compétences. La difficulté, c'est déjà de penser au nouveau métier que l'on va faire, c'est-à-dire que par exemple faire une découverte commerciale n'est pas la même chose que faire un atelier avec un client. Mais en cherchant un petit peu sur internet, j'ai vu les opportunités qu'offrait l'entreprise Transdev. La chance est venue à moi parce que j'ai vu l'annonce de Transdev, j'ai postulé et puis j'ai été accepté ensuite à la suite des entretiens. Le fait est qu'ils proposaient justement cette formation-là, c'est-à-dire pour pouvoir passer son permis, moi c'est ce qui m'a motivé principalement. Le fait de passer par une formation, je pense justement que c'est une chance parce que ça permet d'avoir une ouverture encore plus large sur le métier plutôt que d'intégrer directement une entreprise et de commencer sur le tas. Le conseil que je donnerais à une personne qui souhaiterait faire une reconversion, c'est de s'accrocher parce qu'il y a toujours des hauts, des bas, et d'y croire. Il y a aussi une part de travail qui est énorme, mais c'est aussi pour avoir que du bonheur après, quoi.